Ok les gars, alors pour cet épisode, j'avais pensé que ce serait bien de commencer directement par une scène d'action, hein, histoire de happer le spectateur dès les premières minutes, quoi. Donc voilà, j'ai cette scène à vous proposer. Donc c'est une bande de mecs qui se fait choper dans la rue par la garde royale et... Qui sera à poil? Comment ça? Ah, il faut quelqu'un à poil. Il en faudra même deux. Ouais, faut que ça baise. Non mais c'est une scène de combat en plein jour. On pourrait quand même avoir une pute dans un coin qui s'occupe d'un client, je sais pas, genre une branlette. Ou une fellation. Bah, carrément! Ouais, ok, peut-être dans le background, alors on verra. Ouais, bon, passons à la suite. Après, il y a une scène avec le roi Geoffrey qui a une confrontation avec son oncle dans la salle du trône. Et si au moment où son oncle entre, Geoffrey était justement en train de se faire pomper sur le trône? Non, mais non, c'est pas vraiment l'esprit de la scène, là, non. Pourtant, ça appuierait sa situation et le fait qu'il passe son temps à diminuer son oncle. Non, non, mais vraiment, les mecs. En plus, il y a sa mère aussi dans cette scène, quoi. Ça ferait too much, je veux dire. Ça pourrait justement être sa mère! Quoi ça? Mais qui le. Ah non, non, Pourtant, ça colle avec son caractère incestueux. non! Non, les mecs, c'est trop, non! Oui, bon, je vois, toi, tu préférais peut-être juste qu'elle le caresse par-dessus ses fringues. On va passer à la suite, hein, encore. Après, il y avait. Une scène de cul, non? Ça, je pense que les gens vont vraiment commencer à se faire chier. C'est une blague. C'est peut-être un peu exagéré. Mais c'est vrai qu'on a habitué les spectateurs à des scènes de cul assez régulières. Non, mais attendez, vous avez pas l'impression qu'il y a déjà des scènes de cul dans tout l'épisode? C'est-à-dire? Non, 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 je comprends ce qu'il veut dire. On peut pas balancer une scène de sexe comme ça. On doit avoir une approche un peu plus originale. Ah, ok, je vois. J'ai peut-être une idée, mais... Bon, est-ce qu'on pourrait montrer une éjac faciale? Non! C'est pas un porno! Mais pas une vraie éjac faciale, bien sûr, mais un truc avec des effets spéciaux, là, genre CGI. T'y réfléchis, là. Non, non, en fait, j'étais en train de me demander si les mecs qui ont inventé les CGI dans les années 70, s'ils avaient un jour pensé qu'on les utiliserait pour du faux sperme. Sinon, bah on peut utiliser un mélange à base de lait. Non! Il n'y aura pas d'éjac facial, il n'y aura pas de sodomie en gros plan, il n'y aura pas de gens qui se font caca dessus! Bon, maintenant la fin. Une orgie? Ta gueule! C'est fini les conneries. Alors la scène de fin, c'est tous les persos qui se rendent compte qu'il n'y a plus aucune échappatoire à la guerre. Donc on fait un montage, on les voit plein de désespoir, avec la fatalité, la tristesse, toutes ces conneries! Sinon, c'est comme Daenerys se tape ses dragons, hein. Et là, on a un monologue de Pétir sur la notion de pouvoir et de contrôle. Et en arrière-plan, il y a ses putes favorites qui se broutent le minou. Exactement, après la scène de fin. La brouette C'est camerounaise. ça.